là, à tout jamais. Ne pas avoir besoin de demain ni d'hier pour être, mais être là, présent, avec tout ce qui se joue là. Sans que ton esprit soit embourbé dans ce qui fut et ce qui sera. Puisque tout ça, ça n'existe pas, ce qui sera. Ce qui fut non plus, d'ailleurs. Tout est là. Accepter cet état de fait est quelque chose qui te demande beaucoup d'attention, parce que ton esprit est embarqué par des choses qui viennent par surprise et cela t'emporte. Ces événements, ces agitations autour de nous, ça emporte l'esprit vers ce que la pensée propose. Et ce que la pensée propose n'est rien d'autre que la distraction à ce mouvement perpétuel qui est là, qui se meut d'instant en instant, et qui est l'ordre, justement, la beauté. Et si ton être reste là-dedans, il n'est pas embarqué par tout ce qui doit être fait pour pouvoir trouver un égaiement à ta vie. Il n'y en aura pas. Parce que ce que tu vas faire, ce sera de l'agitation qui sera proposée par la promesse que tu te donnes d'atteindre. Tu te donnes d'atteindre ce que la pensée propose. Tout ça, c'est parce que tu es identifié à cette distraction et tu n'es plus dans le moment où tout est là. Tout se meut, cet ensemble vivant qui est en ordre, qui n'a ni demain ni hier. C'est la joie d'être ça. Parce que là, tu es présent. Et cette présence, justement, est silencieuse et tranquille et n'est pas harcelée par toute la distraction que le monde propose. Tu vois, aujourd'hui, on a beaucoup de distractions dans ce monde. Toutes ces choses que l'on fait pour pouvoir se distraire, c'est répétitif. C'est continuellement quelque chose qu'il faut établir, qu'il faut faire, qu'il faut arranger, contrôler, pour que ça puisse être. Mais la vie, là, tu n'as pas besoin de l'arranger. Elle est là. Cette tranquillité, elle est là. C'est juste que ton esprit n'est pas calme pour se baigner dedans. Quand ton esprit baigne dans ce silence, alors tu es en paix. C'est la paix d'esprit, tout ça. Et avec cette paix-là, la vie prend une autre tournure. Tu permets à tous les éléments que la pensée a créés de ne plus se perpétuer. Parce que la pensée n'est plus à son œuvre. Tu n'es plus embarqué par ce que tu aimerais, par le désir, par la compulsion. Parce que ce sont tout ça les pensées. C'est la compulsion, c'est l'envie toujours d'être occupé, l'envie toujours d'être égayé. Parce que la pensée en elle-même, elle est stagnante, elle est figée à elle-même, puisqu'elle appartient au passé. C'est la restitution du passé. La pensée est le passé. Et la pensée se projette dans le temps. Et la pensée devient
nos peurs. Parce que on quitte le passé et on va dans le futur. Et la pensée provoque en soi une résistance à tout ce qui est nouveau. Donc ce calme, ce silence-là, il s'en va si la pensée est en œuvre, si tu es embarqué par la pensée, si tu es identifié à cette pensée, si tu arrives à juste être dans ce silence et attendre que les pensées passent sans rien faire pour qu'elles ne passent pas, tu les laisses être. Mais tu ne joues pas avec. Tu n'es pas l'acteur de la pensée. La pensée, elle fait son œuvre. Mais tu n'es pas celui qui est identifié à la pensée. Et tu vas voir que ce que tu es à ce moment-là reste paisible. Tu n'es pas embarqué par toutes sortes d'idées, de choses qui doivent être faites ou pas faites. Tu ne prends plus parti. Tu ne dis pas ça c'est bien, ça c'est pas bien. Parce que ça c'est le domaine de la pensée de faire ça. La pensée divise. Divise toute chose. Elle dissecte ce qui est un ensemble. Elle compare et elle garde ce qui donne du réconfort, ce qui donne de la valeur, et tout ce qui n'est pas de valeur, elle les met de côté. Donc, on est divisé. Et c'est cela qui fait que nous ne sommes plus dans le silence, parce que nous ne concevons plus tout l'ensemble d'une seule traite. Nous concevons l'ensemble, mais divisé. Mais tout ce qui est là ne peut pas être divisé. C'est l'harmonie. Tout est là. Le joli, le vilain. Le cafard et le papillon. C'est là. Ça vient de la même source. Mais si tu commences à comparer, tu auras envie de l'un plus que de l'autre. Alors là, il ne s'agit pas d'avoir envie ni de l'un ni de l'autre. Il s'agit juste de les regarder dans leur ensemble sans croire qu'il y a une différence que tu puisses faire. Tout un ensemble marche ensemble et n'est pas dissocié les uns des autres. Ce silence, il est fait comme ça. Dans ce silence, il y a justement cette harmonie où on est capable d'accepter tout ce qui se joue, sans jugement, sans dire que c'est bien ou c'est pas bien. Et alors tu deviens un spectateur de tout ce qui se passe. Et tu restes dans cette paix où tout est ordre, silence. Tu es là, présent à tout ce qui se joue. Et cette présence, justement, elle est même l'intelligence. C'est une intelligence qui sait qu'est-ce qui se passe. Autrement, si tu divises et tu mets un peu sous la table, enfin, sous le tapis, et si tu prends ce qui est plus agréable, alors tu vas cacher à toi-même ce qui se passe. Et quand tout est vu, eh bien, il n'y a rien à craindre parce que tout, tu connais tout, tu es intelligent, tu vois tout. La plupart d'entre nous, nous avons des peurs, c'est parce qu'on a caché des choses qu'on ne veut pas voir. Et de toute façon, ces choses, tu ne peux pas définitivement les cacher. Elles sont là, elles vont ressurgir. Toutes ces peurs que tu as mis de côté, toutes ces histoires que tu as mis de côté, ces non-dits que tu as mis de côté, que tu ne voulais pas en parler, tôt ou tard, ça va ressortir, ça va ressurgir. Donc nous sommes
vecteurs nous-mêmes de la vie qu'il y a si on le laisse être. Parce que ce que tu exprimes là, c'est justement la totalité. Tu es là avec tout l'ensemble, et cet ensemble, c'est toi. Et tu exprimes cela. Tu n'es pas partiel. Tu n'es pas pour un camp plus que pour l'autre. Tu es là. Et tu vois, cette façon de faire fait surgir un amour pour tout. Parce que tout ce qui est différent de l'un et de l'autre ne peut pas être considéré comme divisé. C'est un seul ensemble. Il n'y a plus le vilain, le joli. Il y a juste ce qu'il y a. Et cela crée l'ambiance où les gens ils ont envie de s'unir. Il n'y a pas de critique, il n'y a pas de comparaison. Alors qu'est-ce qu'il y a? Ben, il n'y a plus de rivalité puisque personne ne se sent accusé. Tu es là, tu prends le tout, tu accueilles le tout. On dit ça, aimer. Tu aimes le tout, tu accueilles, tu acceptes ce qu'il y a. Aimer, c'est vraiment être cela, être soi au moment où on accepte le tout. C'est soi qui crée cette ambiance où il y a l'union, l'amour, la joie, la paix. C'est à toi de le créer. Personne ne pourra le créer pour toi. Parce que si ce n'est pas toi qui le fais, qui va le faire? Déjà, pour soi, tu as besoin d'apprendre à aller dans ce silence, dans cette étendue où rien n'est séparé. Où ce que tu es est tout ça. Tu regardes les choses sans lendemain, sans hier. Ton esprit est libre de toute confrontation que l'esprit projette. Tu es libre de toutes les pensées qui passent parce que tu ne t'identifies pas à eux. Tu es libre de cela. Et comme tu es libre, alors cette ambiance où tout est un, reste là. Tu restes silencieux. Tu restes dans la paix, la tranquillité. Ton esprit n'est pas en train d'être occupé à faire ce que la pensée propose. Tu es là. Là, maintenant. Reste là. Et ne fais rien pour que ça s'arrête. Juste accepte d'être là. Parce que être là, ça veut dire que il n'y a plus moi. Il n'y a plus les pensées. Il n'y a plus l'activité qui veut un but, une échappatoire. Il n'y a plus ce moment où on veut être autre chose que ce qui se passe là. Parce que tu as accepté d'être ça, d'être tout ça. Tu es l'ordre, l'harmonie. Tu es tout, tu n'es pas divisé. Tu es un seul ensemble. Et tu l'as accepté. Tu ne te caches rien à toi-même. Tu te vois tel que tu es. Ce que tu es, bon ou mauvais, joli ou vilain, tu acceptes de voir que c'est comme ça. Et c'est en restant dans ce silence, dans cette acceptation, qu'il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'à ce moment-là, ce que tu es n'est pas incongru, n'est pas compulsif. Et tout le carnage, le chaos que la pensée a créé,
en toi, où tu veux être cela et pas cela, tout ça disparaît. Tu n'es plus confronté à ça. Tu es présent à l'entièreté de toi-même. Tu es intègre. Tu es indépendant de tout ce qui se joue. Tu es unique. Et cette unicité est entière. Elle n'est pas divisée dans des petites bulles où tu regardes la vie à ta manière, ma façon de voir les choses. Il n'y a plus ça. Parce que tout ça, c'est de l'invention. L'invention de ce que la pensée projette. Et comme on s'identifie souvent à la pensée, alors cette pensée nous induit en erreur. Parce qu'on croit être cette pensée. Et on est attiré, on est subjugué à vivre ce qui est proposé. C'est-à-dire ce programme que la pensée propose, c'est le passé que tu as. Et ça te rassure d'être ce que tu connais. Donc cette immensité, être tout ça, ça devient compliqué pour la pensée. Donc l'esprit s'identifie à la pensée et trouve là-dedans du réconfort. Parce qu'il n'est pas confronté à l'inconnu. Il semble être qu'il soit en sécurité dans ce que la pensée propose, parce qu'il y a les habitudes, les trains-trains, tout se répète toujours de la même manière. Mais là, on est en train de dire que tout ça, c'est une illusion. C'est quelque chose que tu t'es fabriqué pour pouvoir te réconforter de la vie monotone qui se passe. Et c'est un cercle vicieux. Mais tout démarre à partir du silence. Donc, il te faut trouver la liberté de tout ce que tu te racontes à toi-même, de tout l'idéal que tu te proposes à toi-même, pour pouvoir justement vivre ce tout, ce que tu es, et rester ce que tu es, et non pas devenir ce que le monde attend de toi. Parce que tout notre problème, c'est de vouloir plaire, plaire à ceux qui te donneront de la reconnaissance. Parce que tu as peur qu'ils ne le feront plus si tu n'es pas à leur goût. Donc, tu joues le rôle de la pensée. Et la pensée te dit, ben, divise, compare, il faut réussir, il faut avoir un but. Et là, tu t'empêtres dans la confusion, parce que tu n'es plus toi-même. Parce que ce que tu es, c'est ce silence, cette paix, cet ensemble uni dans le tout. Et il n'y a pas de but là-dedans. Il n'y a pas de commencement ni de fin. La vie est là. Et elle se profile à chaque instant. Et chaque instant est un émerveillement. Et cet émerveillement, c'est ce qui se passe quand on est dans ce silence, quand les pensées ne sont pas là. Parce que tu apprends à ce moment-là. Et tu n'arrêtes pas d'apprendre, puisque tout ça, c'est infini. Tu es émerveillé à chaque instant de ta vie. Parce que ce que tu es, tout ça, c'est immense. Et se connaître soi n'a pas de commencement et n'a pas de fin. D'où l'émerveillement quand tu plonges dans ce silence, où tu restes là. Parce que tu apprends que tout ce que tu voudrais, en tant que pensée,
c'est faux. Et parce que tu as vu ce qui est faux, et bien tout de suite, la réalité, elle se profile, elle émerge, elle est là. Donc, tu peux regarder tout, comprendre ce qui est faux, et en comprenant ce qui est faux, tu changes complètement. Parce que il y a une révolution qui se fait en soi, parce qu'on a le culot d'abandonner ce que l'on se promet à soi-même. Parce qu'on a compris que ce n'est pas vrai, ce n'est pas la vie. Là, tu voudrais te promettre d'être celui qui est conforme à ce que la pensée propose. Et la pensée, c'est le monde. Et le monde est dans ta tête. La pensée, c'est ce que nous sommes tous. Elle converge dans chacune de nos individualités. L'individualisme, c'est pour ça qu'on s'identifie à ce que l'on aimerait être. Mais tout ça, c'est faux. Donc, découvrir ça, que tout ce que tu vis là, c'est quelque chose que tu te racontes. En fait, pour ne pas être abandonné à ton sort, d'être dans la déchéance, d'être dans l'habitude et les trintrains. Parce qu'au fond de toi, il y a la vie t'appelle tout le temps. La vie, elle est cette chose immuable, hein, ce que tu es vraiment. Tu es cela. Et tu ne peux absolument pas renier ça. C'est là. Et c'est la seule chose qui est vraiment là. Tout le reste n'est pas là. Tout le reste, c'est pensée, c'est des désirs, c'est des envies, c'est des histoires que l'on se raconte pour s'égayer un peu. Parce qu'il y a l'angoisse de ce grand tout. Donc la pensée, elle se défend. Elle veut rester en tant que pensée, en tant que personnage, qui se donne le droit d'exister à travers ce qu'il a inventé. Cette réussite, cette gloire, cette apparence que je me donne, cette image que je me donne, c'est à travers ça que la pensée existe. Autrement, elle n'existe pas. Elle n'est que l'apparence des choses. Mais ce que tu es, c'est quelque chose de bien plus vrai, véridique, véritable, authentique. Et si tu laisses cela être, alors tu vas faire de ta vie quelque chose qui prend un sens.